Putain, mais c'est quoi ce truc de bâtard? Ah, mais c'est horrible. Oh non! Ah non, mais c'est horrible. Je vous jure, essayez chez vous, quoi. Enfin, essayez chez vous, avec le jeu. Oh putain. Putain, là je suis désespéré, j'arrive même plus à atteindre le deuxième truc. Putain, mais il doit y avoir un moyen pour le faire autrement, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de salopard? Non mais c'est impossible, c'est quoi ce truc de fou? Oh. Eh mais... Ouh là là là! Putain de... Mais c'est quoi ce... Mais pourquoi il y a des trous ici là? Je comprends pas. Putain, c'est pas possible, y a un truc là. J'arrive pas à y croire quoi. Putain, dire que j'avais réussi à faire ça? Putain, j'étais un pro en fait avant. Bon, ben là, vous voyez, hein, c'est vraiment l'épreuve ultime de mon angle. Putain, ouais, mais j'y arriverai pas en fait. Faut que je me calme et que je recommence parce que. Bon, heureusement que j'ai une potion. Oh putain! Le salaud! Non, c'est horrible. Là, je vous jure, je suis dégoûté. Non! Ah, mais à 3 mm du truc, quoi. Ah non! Putain, je vais mourir. Ah là là. Putain, putain, putain. Non! Putain. Putain, si j'y arrive, enfin j'y arriverai, hein, pour vous, je ferai tout. Non mais, si j'y arrive là, je serai trop content. Puis la salle d'après, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça me tiendrait que ce soit chiant. Ah oh, mais non, mais c'est chiant là, je suis à 2 mm du truc. Putain, non. Oh putain, faut que je bouffe. Fais chier, comment on fait cette merde là? C'est pas possible, ils ont fait quoi là? Ouais, putain, j'aurais été sûr, il n'y a aucun moyen. Bon, là, en fait, je vais vous l'avouer, je viens de sortir ma solution. Je l'ai pas utilisé du tout hein, pour les énigmes jusqu'à maintenant. C'est la première fois que j'utilise. C'est pas la première fois que j'utilise dans tout mon walkthrough, mais là, c'est la première fois que j'utilise pour ce donjon. Je viens de sortir ma solution, mais ils disent, genre dans la solution, ils disent, bah là tu vas pleurer, tu vas manger. Ah non, mais on est réduit à ça quoi. Mais le pire, c'est qu'il faut bien le trou au bout, c'est con. Hein. Les salauds, les salauds. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut absolument pas toucher les murs, sinon il nous revient ce con. Parce que dès qu'il touche un truc, il revient quoi. Et comment tu viens de pas toucher les murs? Mais c'est un truc de sale. Putain, mais Link là, merde, utilise tes forces, pète les blocs. Ah mais j'ai crevé. Non! Je tomberai pas dans le trou. Ah putain, non! Ah putain, vive la potion quoi. Ah putain, j'arrive même plus à viser. Oh c'est quoi ce truc de sadique? Oh non mais vas-y, mais non mais oh! C'est quoi ce... J'ai jamais vu un truc pareil. Franchement, trouver un jeu encore plus horrible quoi. Putain, si vous trouvez un truc plus horrible d'un jeu, montrez-le-moi. Non. Ah non, mais c'est un supplice, c'est horrible. Ah, mais non. Chier. Putain, je vais pas faire une vidéo entière là-dessus non plus, là. Oh. Chier, oh. Putain, je vais quitter, là. J'ai pas le choix. Ah, mais non, mais putain, je peux pas quitter, en plus. Parce que si je le fais pendant que ça enregistre pas, j'aurais plus qu'à recommencer. Putain. J'ai pas y passer toute mon après-midi là, putain. Oh, bordel. Concentration. À moins que... Peut-être comme ça.
Je me demande où est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire comme ça. Bon, j'ai fait une sauvegarde rapide pour tricher, je suis désolé, mais c'est que si je crève à cause de ça, ce serait con. Ah non, il n'y a pas moyen là, on est obligé de faire comme ça, c'est tout. Bite. C'est chiant. Ah! Putain! Ça m'énerve quand c'est à 2 mm du truc. Putain, je me plains tout le temps, je sais, mais là. Pitié. Achevez-moi, quoi. Je vais mourir. Ah non, mais là, c'est le truc qui m'aurait fait le plus péter un plomb, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc de. Non, mais vas-y, mais c'est pas possible, c'est impossible. Je suis pas Dieu, moi, merde. Ils prennent pour qui, là? Putain. C'est quoi ce truc de salaud? C'est. Putain! Non, mais là, heureusement que je suis de bonne humeur parce que j'aurais déjà pété un mur là. Oh putain! Non, mais je fais n'importe quoi. En plus, cette saloperie d'alarme là, tu dis, putain, parce qu'on a plus de vie là, ça m'énerve. Oh! Putain de. Bon, crève, Link. Putain. Fais-toi péter avec une bombe là, tu me fais chier. Vas-y, crève, vas-y dans un trou, allez hop. Vas-y, meurs, Link. Connard. Voilà, c'est bon. Peut-être que là, je serai plus concentré comme ça. Ah, c'est ça qu'il faut faire, j'ai compris. Faut passer à peine au-dessus du dernier. Là, voilà, juste au-dessus de ça. Pour pas pouvoir toucher le mur après. Sauf que je. Enfin, c'est facile à dire, quoi. C'est facile à faire. Putain, mais comment j'avais fait la première fois là? C'est pas possible. Je sais pas si j'y étais arrivé, hein. J'ai dû racheter une Game Boy et la casser. Putain, mais ça c'est horrible ça. J'ai dû la péter la Game Boy là, c'est pas possible. En plus, j'ai déjà balancé plusieurs fois par, pas par la fenêtre, mais. Par terre. Si, bah je crois qu'à la fin je l'ai balancé par la fenêtre ma Game Boy. Ah ouais. Quand j'ai racheté ma Game Boy, une Game Boy Advance, en fait la Game Boy Color je l'ai balancé par la fenêtre, je crois. Du deuxième étage. Oui, c'est con. Je lui ai fait payer pour tout ce qu'elle m'a fait. Oh putain. Oh putain, faut se détendre, c'est ça le truc. Poulet, choucroute, putain, merde. Ah, mais c'est ça le pire, quoi, c'est quand ça fait ça. C'est que ça vraiment. Voilà. J'aime pas quand il s'arrête à 2 mm là, il pourrait pas continuer un tout petit peu plus. Non, en plus la portée du boomerang, si vous regardez bien, voilà quoi, compter en les zigzags avec, c'est pile la portée du boomerang le truc. C'est pas, si ça c'est pas un truc de salopard quoi. C'est pour ça qu'on peut pas se mettre, on peut pas se mettre là ou là, hein, ça, voilà, parce qu'on l'atteindra pas sinon. Putain ouais, là je vais être obligé de couper, hein, je suis désolé pour vous, mais enfin, de toute façon c'est tellement chiant à regarder. Je pense pas que ça vous dérange. Si vous voulez vraiment le voir en entier, je ferai une vidéo hein, spéciale. Au pire, je ferai un bêtisier. Et puis, ouais. Bon. Putain, je suis sûr, il y en a qui attendent le moment où je vais péter un plomb là. Pardon. Oh, je suis trop fier là. Oh putain, yes! C'est quoi cette salle de merde là encore? Ouais? Ah 3, 3, 2, non. Leur position est un indice, alors attendez. Ça représente un truc, un oiseau, un jambon.
Ouais, ça ressemble à un jambon. Non, ça ressemble pas à un jambon. Non, je sais pas. Bon, c'est pas le bon ordre déjà. J'espère que je suis en plus à chaque fois l'ordre parce que je pète un pont là. Ah non, je vais tous les prendre pour recommencer. Attends, non, y a un moyen de. Ah voilà. Alors, c'est peut-être du plus bas au plus haut. Ouais. Merde. Je sens que. Qu'il va y avoir des morts là. Attends, dès que je vois un vieux dans la rue, là, je. Pardon. Je pense à une connerie. Ah, ok. Attendez, je prends un papier, je vais le noter. Là. Non, je vais essayer de le retenir de tête. Ok, donc c'est celui-là en premier. Attends, mais en quoi leur position est un indice là? Ils se foutent de ma gueule. Par rapport à l'eau, du plus mouillé au plus sec. Je... Non, je veux pas là. Putain, mais comment tu veux deviner un truc pareil? Mais c'est vraiment un truc de salopard. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est encore pire que la salle d'avant, quoi. Oh, attendez, je viens de penser à un truc. Merde, c'est pas du sable, oh les cons. Ouais. Ah non, mais les créateurs de Seasons, ils sont bien foutus de ma gueule. En fait, ils font exprès de faire un jeu facile pour foutre une grotte de héros de salopeurs. Mais je vois pas en quoi leur position est un indice, moi. À la limite, si celui tout en haut à droite sera le dernier, là je comprendrai, ok, mais les autres je vois pas. Est-ce que c'est par rapport à l'eau? Je sais pas. Est-ce que ça c'est le deuxième? Non. C'est un des deux de droite. Et là, heureusement que j'ai 989 rubis. Non, mais en quoi leur position est un indice? J'ai toujours pas compris. Mais c'est quoi l'indice là? Mais il saute de ma gueule. C'est pas un indice. C'est quoi ce truc? Putain, j'ai l'impression de jouer à off. Bon, vous connaissez pas. Putain. C'est quoi ça? Ouais. Et merde. On va avancer à tâtons, hein. On finira bien par trouver. J'essaie de suivre en ordre logique, mais je le vois pas là. C'est pas celui-là? Non. Bon, allez, celui-là, on va dire. Attendez. Ah ouais! Donc, si je suis l'ordre logique, c'est celui-là le prochain, ça. Oh yeah, yeah, j'ai compris. Regardez, tac. Là, c'est celui une case au-dessus à droite. Encore une case au-dessus, une case au-dessus. Donc, le camp, c'est celui-là. Et merde. En fait, c'est de la merde ce que je dis. Non, je sais pas, je vois pas leur position en quoi c'est logique. Bon, y a peut-être un certain nombre de cases entre chaque. Non, bah non. Non, c'est débile ce que je dis. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Merde. Mais là, ouais, c'est là que je suis content d'avoir fait le plein de rubis sans en rendre compte. Oui, hein. Ouais, ni, ni, ta gueule. Ta gueule! Oh! Il me saoule, hein. Je vois pas en quoi c'est un indice, je vois toujours pas. Je sais pas, ça fait un triangle, ça fait un. Celui-là. Mais vous me saoulez, là! Il me fait chier, le vieux, là. Ouh, il me saoule. Ah non, mais. Bon, alors là, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi en quoi leur position est un indice. Si vous avez compris, hein, parce que moi. Bon, les trucs, c'est pas mon truc, les énigmes, mais. Enfin, si, j'aime bien les énigmes, mais je suis nul. Merde, je me rappelle plus que c'était. C'est celui-là, hein. Ouais.
Ouais, c'est une case au-dessus à chaque fois. Pour l'instant, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, là, je vois pas. Attendez, je me rappelle plus ce que j'avais fait. C'était pas celui-là. Non. C'était pas celui d'en bas, c'était pas celui-là. C'est celui-là, ok. Putain. Vous devez vous emmerder derrière votre écran, là. Je sais pas si je vais pas mettre la vidéo en entier, en fait. Ça peut être marrant. Mais oh! Putain, il faut se rappeler à chaque fois, quoi, hein. Parce que là, si je me rappelle pas, ben, je suis foutu. Bon, alors c'était celle-là. Celle-là. Pourquoi je dis celle-là? Celui-là, pardon. Ensuite, c'est pas celui d'en bas. Donc c'est celui de là ou de là? Et allez, hop, comme par hasard, une chance sur deux, je me loupe. Bon, je suis prêt. Parce que. Bon, bah, avec le fric que j'ai, aucune chance de perdre, quoi. Et tout ça pour un anneau qu'on en a rien à foutre, qu'on n'utilisera jamais, quoi. Ça m'énerve. C'est vraiment un truc de con. Allez, mais comme par hasard. Jusqu'au bout, il me font chier. C'est quoi? Il est en face, il est quoi? C'est quoi? En quoi? Mais. Et non, il n'y a pas d'ordre là. Ça forme des chiffres, c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Bon là j'avais compris parce que c'est à chaque fois une case au-dessus, bon. Là ok. Ah ouais, ensuite il y a deux cases de différence. Attendez, là c'était celui-là ça? Ouais. Voilà. Ouais. Non mais non, en fait il n'y a aucun indice, hein, ils ont fumé. Oui. Oh. Voilà. Donc, enfin fini. Félicitations. Vous pouvez applaudir. Hein. Je vous entends pas, mais vous pouvez quand même. Voilà, donc, bah, enfin fini ce donjon-là de... Ouh. Vous avez vu ça? Le début... Oh putain, je vais me venger sur elle. Le début était ultra simple. En fait, il n'y a que deux salles chantes. Celle-là où il y a les boomerangs. Ça tombe bien, j'avais plus de potions. Putain, là, je vais se faire roxer là. Tiens, mange. Donc là, vous pouvez vous soigner ici. Et voilà, ben, j'ai fini le truc le plus chiant des deux jeux. Je crois que c'est la pire nique que j'ai jamais vue. La truc du boomerang là. Ouh, j'aurais pété un plomb là. Bon, bah ben, écoutez, en fait, j'ai choisi de. Voilà, c'est mon choix. Hein. Non, pas l'émission. C'est mon choix, ben, j'ai choisi de ne pas couper, donc je vais tout mettre. Donc à un moment j'ai arrêté la vidéo et puis j'ai continué à m'entraîner de mon côté, donc voilà, ça compte pas. Ouais, il est beau l'anneau, d'accord, il est beau, mais voilà. Donc c'est l'inverse de l'anneau défense niveau 3, je crois. Armure niveau 3. C'est-à-dire qu'on fait 3 fois plus de dégâts, mais on s'en prend 3 fois plus aussi. Ça sert à rien quoi. Bon ben voilà, ouais, je vais pas couper, donc bah, si vous voulez pas voir le truc où je m'énerve, bah, voilà. Passez à la suivante. Je vous le mettrai en commentaire dans la description de la première vidéo. Allez, salut!